Sur la table d'opération, une tablette défectueuse. Ce technicien vient de rejoindre l'équipe de l'iClinic. À l'origine de cette entreprise, deux passionnés de la marque à la pomme qui détestent jeter. C'est ce qui fait aussi notre force, c'est qu'on est indépendant d'Apple. Donc on fait les réparations qu'on veut, au prix qu'on veut. Et c'est pas le cas de ceux qui sont en contrat avec eux, parce qu'ils peuvent pas faire les réparations qu'ils veulent. Partie de rien, il y a un an, la jeune entreprise réalise aujourd'hui entre 20 et 25 devis par jour. Trois personnes ont été engagées récemment. Un succès rendu possible aussi par l'intégration aux ateliers des tanneurs, pépinières d'entreprise. C'est vraiment les premiers à nous avoir fait confiance. Donc ça aide d'avoir des professionnels à son écoute, d'avoir des entrepreneurs autour de nous qui nous aident, qui sont parfois un peu plus âgés, qui ont de l'expérience. Tout ça fait que c'est un endroit assez magique pour entreprendre, dans tous les cas. Et le profil de la clientèle est varié. De l'étudiant paniqué parce que son portable est tombé dans l'eau, à l'homme d'affaires pressé qui a cassé l'écran de son téléphone. J'avais besoin de réparer mon téléphone, ils l'ont fait tout de suite, avec un petit supplément. Et ça me convient vraiment. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors vous voyez, pour moi c'est compliqué de venir repasser quelques jours après, tout ça. Par contre, je trouve que le service est extraordinaire. La qualité de la réparation aussi. Encore aux études, à l'ICHEC, haute école de commerce, les deux jeunes fondateurs de la clinique restent modestes et se refusent à parler d'une success story, mais ils sont visiblement sur la bonne voie.